Bonjour à toutes et surtout bonjour à toi, Ella. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105.1. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien, et toi? Ben écoute, ça va super. Je suis très contente de t'avoir avec nous. On va pouvoir parler de cet album Pause qui est sorti au mois de juin déjà, et puis surtout de ce titre. Le dessert en premier, un titre d'ailleurs que vous pouvez retrouver les auditeurs de Choc FM 105.1 dans notre catégorie palmarès. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour voter pour votre titre préféré. Donc nous, c'est donc fin septembre qu'est sorti ce single, et là, un single du coup qui est issu de ce premier album réellement studio solo qui s'appelle Pause, sorti en juin. Est-ce que tu peux te présenter, Ella, peut-être pour les auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas encore? Parce que toi, c'est vrai que tu es en France tout de suite maintenant. Oui, je suis à Paris actuellement, originaire du sud de la France, mais j'ai migré à Paris depuis 10 ans. Et écoute, je suis Ella, je suis chanteuse, autrice et compositrice. Voilà. Et effectivement, j'ai sorti ce premier album après avoir fait plein d'autres choses avant. Mais là, c'est un petit peu le début de tout, quoi. Voilà. Alors du coup, je reviens sur cet album Pause. Est-ce que tu peux nous dire justement ce qui t'a inspiré? Parce que, comme tu dis, tu as fait plein d'autres choses avant. Nous, on en a parlé rapidement déjà hors antenne. On avait eu l'occasion de se rencontrer pour une interview pour un truc totalement différent, quand bien même toujours à propos de musique, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais c'était déjà il y a une dizaine d'années. Du coup, on se dit, en 10 ans, est-ce qu'on a toujours des trucs à raconter? Est-ce que, comment on le mène en fait, ce premier réel premier album, quand ça fait déjà 10 ans, plus d'une dizaine d'années qu'on est déjà dans le milieu de la musique? En fait, j'ai pas subi ces années. Moi, j'ai vraiment pris le temps. Donc, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour moi. J'avais des choses à dire il y a 10 ans, mais j'en ai encore plus à dire aujourd'hui. Donc, c'est plutôt cool. Je suis dans l'âge de raison et à la fois dans une grande émancipation et des super moments. Donc, j'ai plein de trucs à raconter au contraire. Et pour moi, de toute façon, la musique, ce sera toute la vie, hein. Tu parlais de 64 ans tout à l'heure. J'espère qu'à cet âge-là, je continuerai d'en faire. Tu vois. Donc, non, c'est très cool. Et justement, c'est quoi les thèmes que tu t'as voulu aborder dans cet album, justement? Il y a vraiment un grand cri d'émancipation parce que j'ai passé une vingtaine qui n'était pas super super cool. J'étais pas très bien dans ma peau, pas très à ma place, beaucoup dans l'ombre, etc. Et puis je sais pas, passé les 30 ans, il s'est passé un truc. Et tout a pris vie, tout est devenu plus lumineux, plus accessible, plus doux. Et j'avais besoin de mettre en lumière ça parce que on est, je pense, beaucoup à se retrouver là-dedans, quoi, à prendre vie à un moment donné quand on s'y attend plus. Je te rejoins un peu parce que forcément, on est un petit peu de la même génération et moi aussi, j'ai passé les 30 ans, ça y est. Et je trouve qu'il y a un truc qui est un peu différent quand on a 20 ans et puis quand on a 30 ans, c'est que bah, à 30 ans, on se connaît un petit peu mieux et on a peut-être un petit peu moins besoin du regard des autres pour exister et on se dit, bah, en fait, je me suffis en fait. Donc, c'est cool. Votre avis est important en soi. C'est grâce un petit peu à la vie des autres qu'on avance, mais c'est pas grâce à la vie des autres qu'on se construit en fait. Non, non, et surtout, ne rien attendre, c'est ne jamais être déçu. Donc voilà, c'est un peu ça la phrase qui tourne en boucle là depuis quelques mois, années. Voilà, mais c'est vrai que c'est un bel âge et qu'on se sent plus libre, plus en phase, plus ancré. Et ça, c'est top. Voilà. Alors, un album, donc on en parlait, Pause, comme on peut le lire sur ta jolie casquette. Cet album, il sort 3 ans à peu près après ton EP, qui s'appelait Pas d'ici. D'ailleurs, totalement différente, même sur le look, parce qu'à l'époque, tu étais encore blonde. Là, ça y est, tu es revenue à ta couleur naturelle. Il y a quoi comme différence réelle, justement, entre ces deux projets? Et puis, il faut aussi rappeler le contexte que ce projet, il est sorti juste avant la pandémie. Parce que pas d'ici, c'était février 2020, il me semble, de tête. Ça, vraiment, l'EP est sorti, je crois que je ris parce que c'est quand même fou. 2 semaines après, alors que j'avais attendu 2 ans pour faire cet EP, on C'est était ça, je tous crois que confinés. c'est la sortie officielle, il me semble, quand j'ai fait mes recherches, c'était genre 28, genre dernier jour de février. Et la pandémie nous touche le 16 mars ou un truc comme ça officiellement, genre. Parfait timing, voilà, Ouais, c'est c'est ce que j'ai ça. appris. Bon, j'ai eu plus de chance par la suite, heureusement. Enfin, pour l'instant, on ne me reconfine pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et la différence entre les deux, c'était ça la question. Ouais.
Bah, c'est ce que j'ai... En fait, c'est très révélateur de tout ce que je viens de dire juste avant. C'est que tu vois, j'étais blonde, peroxydée. Je me cachais derrière des looks qui n'étaient pas forcément encore trop les miens. Je me maquillais beaucoup plus. Je faisais encore une musique que j'assumais pas encore parfaitement parce que j'avais un petit peu effacé ce côté R&B et soul que j'aime tellement. Et donc voilà, c'était une. Et là. Encore en construction, quoi. Alors que là, vraiment, l'album, il est 100% de ce que je suis réellement. C'est un album qui est pop, mais c'est un album qui est grandement inspiré par tout ce que j'ai écouté. Et donc, tu peux aller des inspi de Keith Ranada à Alia, tu vois, ces trucs-là. Et pour autant, ça reste un album que j'estime être un album grand pop. Mais c'est un album où je me suis toujours dit, tu vois, quand il sortira, je me suis dit, mais quoi qu'il arrive, qu'il marche ou pas, j'en suis très, 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 très fière. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps, énormément de temps, 3 ans, je dirais, à le faire et j'ai pas un morceau que j'aime moins que l'autre, pas un texte ou un mot où je me dis, ah mince, j'aurais pu faire mieux, parce que j'ai donné tout ce que j'avais à ce moment-là dans mon existence, quoi. Ouais. Et justement, si tu devais retracer un petit peu cette période de la réalisation de cet album, c'est quoi ton meilleur souvenir pendant toute cette période? Parce qu'on va le rappeler un petit peu aux auditeurs, tu vois, KFM, un album, on a l'impression que c'est super simple. Waouh, elle a fait 2 chansons, après elle s'est fait aider peut-être, et boum, elle va au studio, elle ressort, boum, il y a un projet. Pas du tout, ça prend énormément de temps, que ce soit l'écriture, la composition, le mixage après des sons, être sûr de toutes les sonorités et tout. Bref, ça prend un temps fou. Mais de toute cette période, qu'est-ce que tu gardes comme bon souvenir? Ah, oh, bah beaucoup, beaucoup. Après, ma phase préférée dans la musique, c'est vraiment la phase de création et le moment où tu te rends compte que tu as fait un bon morceau et que tu sors de session et que tu te l'écoutes en boucle dans tes AirPods et AirPods. Voilà. Et ça fait partie des moments vraiment très excitants où tu as l'impression d'être un peu, d'avoir une sorte de puissance comme ça très très forte et puis ouais il y a des sessions aussi avec les gars avec certains réals avec qui j'ai bossé ça aussi j'ai aussi fait intervenir une amie qui s'appelle Bro que tu connais peut-être qui est une artiste Et qui est sur française l'album, il fait partie des 2 featurings qui est ouais. sur cet album justement, ouais. Donc j'étais avec des gens que j'aimais beaucoup donc ça a été des beaux moments voilà j'en retiens beaucoup de bons souvenirs. Et justement, donc je viens juste de le dire, il y a deux featurings en fait sur cet album. Comment ça s'est fait? Est-ce que tu avais envie ou c'est juste que bah ça s'est présenté et que tu t'es dit bah c'est des artistes que j'aime beaucoup donc pourquoi pas? Parce que c'est tout, il y a toujours une petite histoire derrière comment naît un featuring entre deux artistes. Bah écoute, Bro, c'était vraiment. En fait, Bro, c'est vraiment l'histoire d'abord d'un coup de cœur. Mais alors, je pense que c'est rigolo parce qu'on est auto-fans l'une de l'autre et qu'on s'écrivait, waouh, mais c'est trop bien ce que tu fais et tout machin. Et puis après, on s'est rencontrés et on est vraiment devenus amis. Donc, ça, c'était le truc inévitable. Elle m'a invitée sur son EP. Et moi, c'était une envie profonde de repartir. Voilà. Et pour Edge, donc le second feat, j'avais cette chanson qui s'appelle Sur la rive depuis un moment. Et un des garçons avec qui j'ai travaillé, qui a réalisé la chanson, travaillait avec Edge. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Et il m'a fait écouter sa voix et j'ai eu un immense coup de cœur sur l'artiste. Donc, on s'est rencontrés. Et pareil, vu qu'humainement, c'était chouette. Parce que j'ai besoin de ça, moi. J'ai besoin de... La voix est super, mais il faut que l'humain soit super aussi, sinon j'ai du mal. Et du coup, voilà, ça a donné cette chanson. Et il a reçu la version instrumentale, et puis il a écrit, il a chanté son truc. Ça s'est fait hyper rapidement aussi. Voilà, c'était comme ça. Et on va revenir aussi sur le titre de cet album. Donc, Pause, comme je disais, c'est écrit sur ta casquette pour les auditeurs qui nous verront aussi sur notre chaîne YouTube. Pourquoi avoir décidé d'appeler cet album Pause? Parce que quand on regarde la tracklist, toutes les chansons qui sont présentes sur ce projet, il n'y a pas une seule chanson qui s'appelle Pause. Non, je le dis dans une chanson par contre. Dans Milan, je dis pause, j'échange pas ma vie. Et c'est important ce moment-là parce que c'est justement, au départ c'était un message à moi-même, comme la plupart des artistes, je pense qu'au départ on s'écrit pour se faire du bien à soi-même. Et en fait, plus l'actualité avançait, plus je regardais les infos, plus je massais dans le métro et je regardais tout ce qui se passait et je me disais, mais quand est-ce qu'on s'arrête vraiment? Quand est-ce qu'on a un moment où on respire? Voilà. Et pause, c'est ça, c'est ce moment où on met son casque, ses écouteurs, on branche ses enceintes et on écoute l'album et c'est censé être la bulle un peu sur la bulle douceur sur tout ce qui se passe.
dans le monde et tout. Voilà, j'avais envie d'apporter du soleil et beaucoup de douceur. Et est-ce qu'on n'est pas aussi Voilà. sur ce que tu disais, rejoindre un peu bah, la vingtaine un peu plus compliquée parce que tu te cherches un petit peu, que ce soit toi en tant que personne, en tant que femme ou alors en tant qu'artiste, et que justement, bah, là, en fait, tu mets une pause à tous ces trucs qui ont peut-être un peu perturbé ton cerveau ces dernières années, tu vois. Je pensais à ça moi aussi. Oui, non, c'est vrai, c'est aussi tout ça. En fait, c'est pause, c'est se laisser tranquille. Voilà. C'est ce que je n'ai pas toujours su faire, ce que j'arrive encore pas à faire des fois. Mais c'est apprendre à ouais, se laisser respirer parce que sinon, il y a un moment où on suffoque. On Voilà. Et c'est s'asphyxie tout vital. seul, ouais. Ouais. Alors, on en parlait rapidement hors antenne, toutes les deux, on s'est rencontrées il y a une dizaine d'années. À cette époque, ça ne nous rajeunit pas déjà d'une, mais à cette époque, j'étais venue pour t'interviewer parce que tu faisais partie d'un groupe. Tu avais participé à un télécrochet qui s'appelait Popstar. J'étais très fan, moi, de ce concept quand j'étais plus jeune. Qu'est-ce que tu dirais, toi, et là, à la jeune membre du groupe The Mess à l'époque, qu'est-ce que tu lui dirais? Parce que le parcours, il est quand même bien plus long et en général, tous ces groupes, ils ont un petit peu perdu, bah, on les a un peu perdus de vue, tu vois, que ce soit les L5, les machins, même Matt Pokora qui a été issu du même concept, de même émission Popstar. En tant qu'artiste individuel, ça marche en général. C'est vrai que les groupes, les formations, ça a tendance à s'essouffler. Mais toi, qu'est-ce que tu dirais si tu pouvais faire un truc en arrière et tu reviens et tu pouvais juste discuter genre 5 minutes avec ton ancien toi? Je pourrais difficilement lui dire, enfin, je ne pourrais pas lui dire grand-chose parce que j'étais pas prête. Et quand on n'est pas prêt, c'est difficile d'agir face à un truc qui est aussi intense. Donc, je pourrais lui dire que ça vaut le coup de continuer, de ne pas s'arrêter aux effets néfastes de la télévision, par exemple, et de croire en basique, mais de croire en qu'elle croit en elle, quoi. Parce qu'à cette époque-là, vraiment. J'y croyais pas des masses. Donc voilà, d'y croire, de s'accrocher et que la douleur passe. Voilà. Un beau message, ça. Alors, nous, tu sais, et là, sur Choc FM 105.1, on a à cœur de mettre en avant la francophonie. Forcément, ici, on est à Toronto, ville majoritairement anglophone. Nous, on est là, on fait partie de la résistance des francophones, fiers de parler français, justement. Toi, cet album, il est 100% francophone. Et c'est vrai que moi, pour être française aussi également, on voit souvent des artistes français qui essayent de chanter en anglais parce que ça sonne bien, parce que peut-être que ça s'exportera aussi plus facilement à l'étranger ou quoi que ce soit. Toi, cet album, fidèle à toi-même, il est en français. Et justement, je me demandais si c'était important pour toi justement de composer et de chanter dans ta langue. Oui, ça l'est, ça l'est. Parce que moi, j'ai besoin de me raconter en fait quand je fais une chanson. Et déjà, j'ai pas la chance de savoir très très bien parler anglais, donc je serais une belle arnaque. Mais aussi, je crois que c'est un challenge. C'est un challenge parce que la musique que je veux faire, hyper teintée de R&B, etc., et de soul, en France, c'est beaucoup moins dans la culture. Et je me suis aussi dit que quelque part j'aurais encore plus ma place si je le faisais en français parce qu'en France il n'y a pas beaucoup beaucoup ça donc voilà, il y a ces deux choses là, pardon. C'est le fait de pouvoir m'exprimer et de pouvoir être dans une totale sincérité et aussi de faire quelque chose qui est très challengeant en France parce qu'en France c'est pas la musique, c'est pas trop la culture ici, voilà, plus C'est vrai. chirurgie. Et c'est vrai que d'ailleurs, quand tu donnais un petit peu tes inspirations, tu disais Keitranada. Bon, Keitranada, il parle français quand même, quand bien même il est canadien. Mais Alia, tout ça, c'est des artistes anglo. Est-ce que tu as quand même des artistes francophones, peu importe hein, de quelle génération, ça, tu peux me dire genre Aznavour si c'est le cas, mais est-ce que tu as quand même certaines influences ou inspirations plutôt peut-être francophones? Pas forcément franco-français, hein, ça peut être de n'importe où dans le monde, mais en français justement. Alors moi, j'ai très vite cherché le rebond dans les textes et dans les mots et dans la façon de chanter et tout. Donc j'ai beaucoup écouté Claude Nougaro. Il y avait ce truc qui d'ailleurs qui était adulé par les rappeurs à l'époque parce qu'il avait presque un flow de rappeur avec des textes incroyables. Donc Claude Nougaro, oui, beaucoup. Oui, parce que ce qu'il faisait, c'était très, c'est enfin très peu chanté en fait, c'était plus raconté que chanté en vrai.
Et puis cette voix, et puis l'instrument était très important. Il était parti à New York faire Nouga York, justement, cet album incroyable, pour aller chercher ces sonorités-là américaines. Voilà, je trouvais qu'il puisait vachement là-dedans, et donc ça me parlait forcément. Véronique Sanson aussi. Je dirais pas que je l'écoute, ma mère l'écoutait beaucoup, mais aussi parce que j'aime ce côté musicienne, affirmer son histoire. Et cette personnalité aussi. Voilà. Donc je dirais que ça serait les deux, mais surtout Claude Nougaro, oui. Alors, et là, avant de se quitter, nous, sur Choc FM, forcément, on est des petits curieux. On se demande toujours, est-ce que les artistes, ils sont sur scène? Et nous, on se demande forcément si on va avoir la chance un jour d'avoir Ella ici au Canada et pourquoi pas à Toronto. Alors, est-ce que tu es toujours sur la route pour présenter cet album? Cet album, il est sorti en juin, donc je pense que tu as déjà eu l'occasion de le présenter un petit peu. Mais est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que tu as des dates aussi internationales? Parce que nous, c'est un petit peu ça qui nous intéresse. Écoute, je rêve d'en avoir et mes équipes travaillent pour, et j'avoue que je suis très amoureuse de chez vous, et que j'adorerais, voilà, je passe le message, jouer par chez vous, tourner, prendre l'avion et venir faire ce kiff. Voilà. Là, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Là, on sort d'une très belle date parisienne, à la Cigale, qui a été incroyable. Vraiment, je pense que c'est le plus beau concert de toute ma vie. Et je crois que ça a été très satisfaisant pour moi, parce que je crois que peu à peu, j'arrive vraiment à rencontrer mon public. Donc voilà, mais je rêve de venir par chez vous, vraiment. Ça fait partie de mes objectifs. C'est sur Voilà. ta to-do list. Ouais. Et avant qu'on se quitte pour de bon, et là, est-ce que tu peux nous rappeler justement où est-ce que les auditeurs de Choc FM 105.1 peuvent te retrouver, tes réseaux sociaux, chaîne YouTube, bref, donne-nous un petit peu tous les petits indices pour qu'on puisse te suivre à la trace et savoir un peu ton actualité. Alors, je suis bien évidemment sur toutes les plateformes de téléchargement et de musique, enfin de streaming, quoi. Et je suis énormément, j'avoue, sur le réseau social Instagram, que j'aime beaucoup. Et mon nom sur Insta, je crois que c'est Ella Music, à l'anglaise, avec Music. Voilà, Ehlamusic. Un truc comme ça. Et sur YouTube aussi, je viens de sortir un nouveau clip justement du titre dont tu parlais tout à l'heure, Le dessin en premier, qui est trop chouette. N'hésitez pas à aller le voir. Et puis voilà, je suis très présente. J'aime bien être là un peu partout. Eh ben, merci beaucoup Ella pour cette super interview. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je rappelle que ton album baptisé Pause est sorti le 2 juin dernier et qu'il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez l'écouter, c'est vraiment un super projet pop, comme elle le disait, mais avec pas mal de sonorités. Bref, chaque chanson est différente, ça vous emmène dans des univers, c'est génial. Et nous, on va d'ailleurs écouter le single dont tu viens de parler, Le dessert en premier, qui, je vous rappelle, les auditeurs de Choc FM, fait toujours partie de notre palmarès. Donc, allez voter pour ce titre. Et nous, on va d'ailleurs l'écouter tout de suite sur les ondes de Choc FM 105.1. Encore un grand merci, Ella, et à très, très bientôt. Merci à toi. Je préfère quand c'est sucré.